Hello, aujourd'hui je vous montre comment déposer votre VSP à la ponceuse. On va commencer par travailler de haut en bas sur la ligne centrale. On fera les extérieurs par la suite et vous allez voir au dernier moment je vais tourner ma ponceuse. Donc là je pars en centre et vous allez voir, ma couleur va sauter toute seule. Regardez, j'ai déjà atteint ma couche de base. Sur une ponceuse on n'appuie jamais, sinon on va faire des trous pas bons. Je dépose ma ponceuse, j'y résiste et je la guide. On fait ça sur tout le bas de notre ongle. On fait attention à ne pas rentrer en contact avec la peau de la cliente. On reste léger dans nos mouvements. Et pour finir le haut, je vais tourner ma ponceuse et travailler en sens inverse. Faites attention à l'orientation, si vous travaillez de trop debout, vous allez faire des trous. Donc là, on reste très délicat puisqu'on n'a quasiment pas de matière en collier. Si vous avez du mal à y accéder parce que votre embout est trop épais, vous changez d'embout et vous utilisez un embout tout fin, aiguille, sillon. Et c'est ce que je vais faire. Si travailler avec des gros embouts vous gêne pour être précise, notamment au niveau du collier là-haut, vous utilisez des embouts olive, flamme ou aiguille de façon à être plus précis. Donc là, on va aller travailler de la pointe de l'embout. On fait attention à la pression pour ne pas créer de sillons sur la plaque de la cliente. Vous voyez, rapide et efficace. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et si vous voulez d'autres techniques comme celle-ci, on s'abonne. Bisous !